Alors aujourd'hui, on a décidé de revoir un petit peu les massifs, des massifs de terre de bruyère parce que il y avait beaucoup de trous, parce qu'il y avait des plantes qui étaient pas, il y en avait certaines qui étaient mortes, il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout à leur bonne place, notamment cette bouture que j'ai fait il y a quelques années du rhododendron qui est là-bas. Et voyez la différence, rien qu'au niveau du feuillage, le feuillage ici est beaucoup plus foncé. Ici, il est vraiment pas terrible, il est bas. Donc du coup, il était planté ici. Et je l'ai ratiboisé parce que les rhododendrons aiment bien être malmenés au niveau des racines pour que ça booste un petit peu leur immunité. Et donc du coup, bah, j'ai bien coupé les racines. J'ai coupé quelques branches, la moitié seulement, parce qu'il faut quand même encore de la photosynthèse. Donc il faut encore des feuilles, etc. C'était pas forcément le bon moment pour le faire. Normalement, c'est plutôt... allez, on va dire en automne, mais comme j'ai beaucoup de choses à planter, j'ai voulu le faire tout de suite. Donc on verra bien si ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. En même temps, il y avait un petit trou par là, donc j'ai pu y mettre une bouture que j'ai fait il y a quelques années aussi de d'hibiscus. Donc je vais vous montrer la floraison si je la retrouve. C'est vraiment super. Je l'avais pris là où je travaillais avant, dans un château. J'avais pris une petite bouture et voilà, je l'ai fait pousser pour ici. Et dans le trou ici du rhododendron d'avant, on va y planter un châtaignier. Il nous restait un châtaignier, une bouture. Du coup, on va le planter ici. Comme l'autre n'est pas très loin, il est là-bas. Du coup, ça sera sympa pour avoir des fruits. Et en plus, ça va faire un peu d'ombre pour cette partie-là, qui est quand même un massif qui demande à être à mi-ombre. Donc l'été, ça sera quand même plus agréable pour lui d'avoir un peu plus d'ombrage. Et comme ça perd ses feuilles, les châtaigniers, eh bien du coup, ils auront toute la luminosité nécessaire pour l'hiver. Donc voilà, là, je vois, c'est vraiment magnifique, hein, cette couleur d'azalée, l'azalée Kirin. Vraiment très très belle. Ce côté-là, on a beaucoup de choses à enlever, hein. C'est pas super, il y a des choses qui sont un peu mortes, etc. Donc tout le côté ici, et le reste ça va, mais tout le côté ici, on va revoir un petit peu. Je pense que je vais y mettre les plantes qu'il y a là-bas. Je vais vider le bac ici, et toutes les plantes qu'il y a là-bas, je vais les mettre ici. Donc c'est principalement un rosier vert et des hélébores. Donc je vais les mettre là, et puis je vais refaire tout mon bac là-bas. Je vais réfléchir. Et je vais refaire quelque chose de propre et de sympa, parce que là ça fait un peu... Voilà, quand on y est, c'est en été, et il n'y a pas beaucoup de floraison en été, c'est plutôt hivernal. Donc il y a des pieds de fraisier également, donc ça va rester. Mais je vais trouver des plantes beaucoup plus sympas pour l'été.
Alors la petite taille des fusains en boule, pseudo boule, et je dégarnis le base à chaque fois pour éviter les attaques de parasites, notamment les chenilles, etc. Parce que les oiseaux aiment bien grimper et aller à l'intérieur. Je dégage un peu le centre et puis ils vont un petit peu grappiller toutes les petites chenilles qui se mettent, les fourmis, etc. Donc généralement ça marche plutôt bien. Et puis ça fait plus joli, plus aérien. J'aime bien dégarnir un petit peu les pieds. Je faisais souvent ça au château où je travaillais. Et ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse régulièrement. Et je trouve ça plus joli. Il y a quelques années, on avait partagé l'arbre au cœur avec des cœurs qu'on avait accrochés sur un érable. C'est des cœurs symbolisant nos années de mariage. On a décidé de les déplacer plutôt sur l'allée avec la vigne parce que les liens commençaient à serrer un peu trop les branches de l'érable et lui donner la maladie. Donc on a décidé de les accrocher plutôt sur leur structure en bambou. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça fait vraiment très joli de transformer l'arbre en allée au cœur. Bon, ben maintenant c'est les aubergines qui se font attaquer par des petits vers. Les températures ne sont pas encore très chaudes. On va donc en profiter pour essayer d'installer les petits goutteurs comme ça. Alors j'avais dit que je ne le faisais plus. Le problème c'est que je n'arrive pas à arroser les planches autrement. C'est assez fastidieux. Alors là ça va parce que c'est juste les semis qu'on arrose, mais par contre quand ça va être la forte saison de sécheresse, il va falloir tout arroser et ça va être compliqué. Allez, on va commencer le purin d'ortie parce que on va en avoir bien besoin tout au long de la saison pour amender un petit peu les plants, pour que ça donne, pour que ça soit protégé des maladies, etc. Ça, c'est vraiment de l'or en bouteille, comme l'urine en fait. Voilà, donc on va associer les deux. Hop, on couvre et on remue tous les jours. Les chiseaux ont bien poussé et il est temps de les densifier un peu en coupant la tige. Voilà, là j'ai coupé la tige ici, au-dessus de deux départs, le plus bas. Donc par exemple ici, ça va être là, tout simplement. Hop, voilà. Et puis ça, je vais le récupérer et je vais le faire sécher dans mon séchoir.
une tourterelle qui vient faire son nid dans les bambous. Elle a perdu quelques bois, donc je lui ai mis un peu en haut là, sous ses pattes, mais je sais pas si elle les a vues en fait. Je suis pas sûre. Celle-là, elle revient juste d'aller en chercher une autre. Alors nous sommes le 23 mai et il fait très froid, il fait encore pas loin des 15 degrés en plein milieu de l'après-midi. Du coup, le paillis ne sèche pas forcément très très vite de chanvre et ça laisse passer évidemment les escargots. Donc du coup j'en ai remis une petite couche parce que j'ai mon semis de carottes qui pousse plutôt pas mal. Les haricots aussi, pour une fois, ceux-là ils poussent bien. J'essaye de le protéger au maximum. De l'autre côté, on a des radis qu'on consomme, ceux d'en haut, la prochaine salve. Vu que les cotylédons sont développés, du coup, je vais en refaire d'autres semis entre les rangs de salades qu'on est en train de manger rapidement parce qu'elles sont en train de monter en graines, mais bon, elles sont encore plutôt bonnes. Donc voilà. Et sinon, je vais faire mon semis d'endives. Donc là, on va aller en bas pour aller le semer. Dans le potager d'en bas, on a les courgettes et les pois mange-tout qui ont bien poussé parce qu'on a eu une petite chaleur dans le week-end. Sauf que bon, aujourd'hui, il fait plutôt frais, mais bon, c'est pas grave. Ici, sous le paillis de chanvre, on a un semis de haricots beurre parce que les premiers se sont fait dévorer, hein, sous les choux rouges, ça s'est fait dévorer pour plus de la moitié, donc j'ai enlevé tout. Et puis là, j'ai refait un semis tout neuf. Je vais vous montrer les œufs de coccinelle. C'est des œufs qui sont allongés, jaunes allongés. Ça, c'est des œufs de coccinelle.
On a commencé à mettre les armatures pour protéger nos cultures de printemps parce qu'elles ont tardé à pousser à cause de la fraîcheur. Et puis maintenant, ils nous annoncent des températures presque estivales. Donc ça va certainement cramer avant de nous donner quoi que ce soit. En plus, les salades commencent à monter. On a des radis et j'en ai refait ici. Donc il faut vraiment protéger de la trop grosse chaleur qui va arriver. Et donc on va y déposer sur les armatures en bambou. On va déposer ce système-là là, qu'on avait fait l'année dernière. On voulait le mettre en palissade ici pour briser la vue de la cuve du voisin. Mais bon, finalement, ça sera beaucoup plus utile, je pense, pour protéger nos cultures, pour qu'on puisse continuer à récolter. Les choux, c'est pareil, je les avais mis là parce que je pensais que les concombres allaient vite grimper et faire un peu d'ombrage, mais ils n'ont pas eu le temps. En plus, avec ce qu'ils ont pris, hein, le coup de froid, ils ont vraiment été malmenés. Donc là, on voit que les choux commencent à avoir les feuilles très basses au lieu de les monter. Ça veut dire qu'il fait très chaud le matin, ils sont bien, mais l'après-midi ils baissent leur feuillage parce qu'il fait trop chaud. En plus, le voile anti-insectes, ça enferme un petit peu, ça fait un peu effet de serre. Donc du coup, j'aimerais bien pouvoir couvrir aussi au-dessus, je sais pas trop comment, on va voir si on peut déposer quelque chose sur les bambous. Alors on va voir un petit peu l'état de mes concombres, parce que la dernière vidéo a fait peur à beaucoup de personnes. Alors en fait, ce qui s'est passé, effectivement, ce n'est pas une maladie cryptogamique comme j'avais dit. En étant un petit peu plus informée sur les choses, en fait c'était simplement une pourriture au niveau du collet qui ont fait pourrir les premières racines qu'il y avait dans le godet. Et quand j'ai planté le godet en terre, et bien évidemment toutes les racines ont pourri, et ainsi qu'une grosse partie du collet. Seulement comme je les enterre assez profondément, et bien la deuxième intersection qui était aussi enterrée dans la terre a refait des racines et donc a sauvé les plants de concombre et aussi quelques plants de melon. Je vais vous montrer. Là, c'est pareil, voyez, il a pourri au niveau du collet, c'est ce que je voulais vous dire, et je l'ai pas enterré assez. Voilà, ça a fait ça. Donc ça a pourri ici à cause du froid et de l'humidité. Et si je l'avais enterré jusqu'ici, eh bien, il serait reparti et ça aurait évité ceci. Alors, ce que je peux faire, je vais le faire en direct, c'est de sortir le plant. Vous voyez, les racines ont pourri, toute la tige a pourri. Et si j'avais pu avoir de la terre jusqu'en haut ici, et bien ici, il y aurait eu des racines qui seraient parties. Donc là, je vais essayer de le réenterrer jusqu'en haut là, jusqu'à à peu près ici, pour enterrer ça. Et ça, peut-être que ça va refaire des racines, ça peut arriver. Donc je vais essayer pour sauver mes plants, mais de toute façon c'est pas grave, j'ai refait des semis. Donc toutes celles qui n'auraient pas repoussé, ben, j'ai 6 plants qui sont en cours, donc je les remettrai à la place, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai repiqué le pied, j'ai enterré le plus profondément, et puis j'ai laissé juste celui-là dépasser. On verra si ça repart. Je vais faire que ce plan là et je vais faire la différence pour voir entre ce plan là que j'ai refait et les autres. Même si c'est la semaine de la nature, je vous invite à la célébrer chaque jour qui passe.
car sans la nature, on ne pourrait se nourrir, voire même vivre. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous les nouveaux abonnés sur notre chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous !